The Layman's Guide to Zero-Day Engineering is our next talk by and my colleagues out in Austin who run the Pwn to Own contest. Donc, assure me that mes collègues du concours Pwn to Own me disent que les présentateurs sont vraiment au top niveau. So that you have the tools at your disposal at the time so that you can win. Il est nécessaire d'avoir fait beaucoup de travail en aval afin d'avoir des outils qui vous permettent de gagner sur le moment. Et ils ont fait bien plus que travailler sur les outils qu'ils ont. Mais l'intérêt majeur, c'est qu'ils vont donner la leçon, la recette de la démarche qui leur a permis de développer tout ça. Donc, bienvenue à Marcus et Lamy pour cette conférence très attendue. Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Je vais commencer par remercier les organisateurs qui nous ont invités ici. C'est une opportunité unique de partager nos expériences avec la communauté et je suis très content d'être là. Donc, merci, j'espère que vous allez apprécier. Okay. So who are we? Donc, qui sommes-nous? Je suis Marcus Gazdalon, parfois Gazadon, ce qui est mon nom de famille. Et avec moi, j'ai mon collègue Amy, qui est aussi un bon ami. Et ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble pour une entreprise qui s'appelle Red 2 Systems, qui fait de la recherche et du développement en sécurité, du consulting. Et on fait en sorte de pousser l'éducation et les trainings en sécurité, ainsi qu'augmenter le niveau de conscience et de partager l'information. Donc, on veut partager notre approche sur comment on s'y prend pour briser les logiciels très utilisés. Donc, en particulier, on voudrait parler d'une vulnérabilité qu'on a introduite à Red 2 en 2017. Donc, on veut briser des idées fausses communes sur cette industrie, montrer nos propres observations, ainsi qu'offrir des conseils là où on peut. Donc, comment est-ce qu'on a commencé, comment commencer à rentrer dans cette branche de travail. Donc, ce n'est pas un commentaire technique, c'est un commentaire non technique sur le procédé de découverte des vulnérabilités zéro-D. Donc, il y a moins de magie que ce que vous pouvez réaliser. On aimerait montrer ça. Donc, Pwn to Own, c'est une compétition organisée chaque année par Trendmicro et son initiative Zero Day. Donc, on invite là-bas les chercheurs les meilleurs du monde pour développer des Zero Day et présenter des Zero Day contre les cibles les plus valables du monde, donc des browsers, des systèmes d'exploitation, des machines virtuelles, VMware, Xen, etc. Donc, on s'est dit que ce serait cool d'aller à Pwn to Own et de cibler des navigateurs. On a choisi Safari sur macOS. C'était nouveau, c'était mystérieux et ça nous permet d'éviter tout conflit d'intérêt. Donc, pour cette compétition, on a fait une RCE en un clic. Donc, langage de l'industrie, ce que ça veut dire, c'est que on est capable d'avoir un accès en route, à distance, sur MacBook, si vous cliquez sur un lien. Il vous suffit de cliquer sur un lien, c'est un peu terrifiant. Il y en a beaucoup qui pourraient s'imaginer ne pas être susceptibles de cliquer ou d'être la cible de hameçonnage. Mais bon, c'est possible que vous vous retrouviez avec une attaque de l'homme du milieu et c'est un potentiel. Donc là, c'est nous sur scène à démontrer notre tentative d'exploit sur la machine de compète, juste un peu après que l'exploit soit exécuté. Donc la payload, c'est l'affichage d'une calculatrice et d'un shell en route. Donc c'est une démonstration usuelle d'exécution de code. Et pour le plaisir, on a aussi choisi de faire changer le fond d'écran de l'écran. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas d'expérience préalable sur macOS ou sur Safari. On n'avait pas de MacBook au bureau, on a dû littéralement aller en acheter un. Donc du coup, vous voyez comment nous, comme en tant que chercheurs, on approche des nouvelles technologies inconnues. Donc, je vous ai promis que ce sera un talk qui ne serait pas technique. C'est principalement vrai parce que tous les détails
de la chaîne d'exploits ont été postés en tant que 6 articles de blog sur notre blog. Donc, ce talk, on veut le rendre accessible à la plus large audience. Donc, les choses les plus techniques sont sur le blog et c'est pas un prérequis de le lire. Ne vous sentez pas mal de ne pas le lire. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter la première étape de ce que j'appelle le guide du Zero Day Engineering pour l'homme de la rue. Donc, la première étape pour attaquer des logiciels très, très communs. Donc, c'est pas une blague, hein, c'est un jeu avec de larges enjeux. Donc, la première étape, c'est vraiment de définir vos attentes par rapport à ce qui vous attend. Donc, il se peut que vous soyez un expert en sécurité, un chercheur ou juste un enthousiaste. Et après un moment où vous haïssez un peu, vous trouvez de l'intérêt, vous dites que ce serait intéressant d'aller casser la sécurité d'un navigateur Internet. Et ça peut être intéressant de regarder dans les appareils de l'entreprise qui a le plus de succès financier de la génération. Et ils ont augmenté de manière continue leurs investissements en sécurité matérielle et logicielle. Et on voit de plus en plus d'articles qui disent qu'en contrepartie, ils sont davantage ciblés par les chercheurs en sécurité. Bon, donc gravir la montagne, ça va pas être simple. En tant qu'individu, c'est un peu du chacun pour soi. Dans un coin, vous avez des vendeurs qui pourraient avoir une expérience et un argent infini. Dans un autre coin, vous avez les enthousiastes de la sécurité, d'autres agents de menace. Et au milieu, ce que vous avez, c'est le code. Donc il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas drôle, et ça va être de pire en pire. Donc quand vous êtes un nouveau, que vous savez pas trop, quelle durée vous devez estimer quand vous vous lancez sur un projet de ce style? Donc ceux d'entre vous qui sont familiers avec les CTF, en général c'est des compétitions qui ont lieu sur 36 à 48 heures, en général sur le week-end. Donc on en vient, on aime ce sport, on continue à y jouer. Mais ça prend combien de temps de développer une Zero Day? Ça peut être très variable, des fois vous avez de la chance. J'ai vu quelqu'un développer un bug de Chrome en 2 jours. Dans certains cas, ça a pris 2 semaines. Des fois, ça peut prendre 1 mois. Et des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour étudier une nouvelle cible. Donc, il faut prendre une échelle du mois, 3 mois et demi potentiellement, ou 6 mois pour certaines cibles. Le fait est que c'est quasiment impossible de dire combien de temps ça peut prendre. Et à la différence d'un challenge de CTF, il n'y a pas de limite supérieure à ce process d'ingénierie de Zero Day. Il n'y a pas de garantie qu'il y a un bug qui vous permette de faire une Zero Day dans le software que vous ciblez. Vous ne savez pas non plus ce que vous cherchez, et vous travaillez sur des projets qui sont beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'une personne peut faire. On parle de millions de lignes de code, et en général, un challenge de CTF, c'est quelques centaines de lignes de code en C. Donc vous pouvez voir le doute et l'angoisse dans vos yeux, mais vous ne devez pas être trop dur avec vous, vous devez juste garder à l'esprit que l'échec n'est pas improbable dans ce voyage-là. Donc, une fois que vous avez la fondation psychologique, l'étape d'après, c'est la reconnaissance. Donc, cette slide est un peu rigolote, mais même Metasploit vous rappelle de commencer par faire de la reconnaissance. Donc, dans le cadre de Zero Day, la découverte de vulnérabilités dans des gros logiciels peut être une expérience assez intéressante. Donc, la question c'est, on va où? Et c'est important d'avoir des connaissances de base sur la cible. Donc, cette partie du développement n'est pas souvent mentionnée, c'est pas très glamour. On voit pas de post de blog qui dit « Oui, je suis resté à chercher sur Google pendant 8 heures des informations sur Safari. » Donc, il faut compiler et passer en revue toutes les recherches préexistantes sur la cible que vous avez choisie.
Donc la réponse, c'est chercher tout sur Google. Donc là, on cherche sur Google. On fait la liste des choses sur à peu près 5 pages. On clique, on bookmark, on lit tout. Et vous voyez, en bas de la page de Google, là où personne ne va, toutes les recherches liées, c'est intéressant. Faites au moins 2 ou 3 pages et téléchargez et sauvegardez en bookmark tout ce qui peut sembler intéressant. Vous continuez à faire ça, encore et encore. Et Google et Google et Google de tout ce qui est potentiellement lié à la chose. Et donc, l'idée, c'est de choper toute l'information, de comprendre tout ce que vous pouvez sur la cible. Même si ce n'est pas spécifique à Safari, par exemple le moteur V8, Chrome, Opera, quoi que ce soit qui vous semble lié. Le but, c'est de construire sa bibliothèque de littérature en sécurité autour de votre cible et du système, de l'écosystème de la cible. Donc, je veux que vous lisiez, mais je ne veux pas que vous vous forciez à tout comprendre. Le but de l'exercice, c'est de construire davantage de concepts sur la cible, la sécurité et son architecture. À la fin de cette phase, vous devriez être capable de répondre à ce genre de questions. Donc, à quoi sert le logiciel? Comment est-il architecturé? Est-ce que quelqu'un arrivera à me décrire l'architecture de WebKit? Est-ce qu'il y a une sandbox? Comment est-ce qu'on débug WebKit? Comment est-ce que les développeurs de WebKit le débug? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des options spéciales? Est-ce qu'il a des composants qui sont connus pour être vulnérables? Est-ce qu'il y a eu de la recherche? Est-ce qu'il y a eu des write-up? Donc, quand la reconnaissance est faite, la deuxième étape, c'est la sélection de la cible. Donc, techniquement, la cible, c'est Apple Safari, mais on a quand même envie de réduire le champ de ce qui nous intéresse. Donc, vous avez une visualisation arborescente du code source de WebKit, qui est le framework sur lequel Safari est basé. Donc, c'est un moteur de browser web open source. Et quand on trie par taille, chaque boîte, c'est un fichier dans l'arborescence du code source de WebKit. Donc, toutes les grosses boîtes, c'est des répertoires, et tous les petits carrés, c'est des fichiers. Et le coloris, donc le bleu, c'est la complexité détectée maximum. Plus c'est bleu, plus c'est détecté comme étant contexte. Donc, comment est-ce qu'on part à la chasse pour des vulnérabilités dans une base de code de plus de 3 millions de sources de C++? Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, lire ou reviewer 3 millions de lignes de code. Donc, il faut réduire la largeur de ce qu'on va prendre en compte et se concentrer sur la profondeur plutôt que sur la largeur. C'est important quand on cible des cibles vraiment, vraiment grosses. Donc là, c'est pas un CTF, l'échelle est très grosse. Il faut vraiment être détaillé dans votre analyse, donc réduisez vraiment votre champ. Donc notre connaissance et notre expérience passée nous a poussé à nous concentrer sur le moteur JavaScript qui est en orange sur l'écran. Donc les moteurs JavaScript sont souvent considérés comme des bugs extrêmement précis dans les browsers. Mais il y en a de moins en moins vu que de plus en plus de gens nettoient le code et réduisent les failles. Donc, on a réduit notre scope, on est à 350 000 lignes de C dans le répertoire JavaScript. Donc, c'est le moteur JavaScript dans WebKit, tel qu'utilisé par Safari sur macOS. Et spécifiquement, pour réduire encore notre scope, on va se concentrer sur l'interface la plus haut niveau, qui est le dossier runtime. Ça contient du code qui a une correspondance pratiquement 1-1 avec des concepts et des méthodes, par exemple array.reverse ou concat dans le navigateur. C'est très proche de ce que les auteurs de JavaScript sont familiers avec. Du coup, ça nous ramène à environ 70 000 lignes de code.
Quand on se préparait pour Pointwom, on s'est dit, ok, on va trouver un bug dans un des fichiers dans ce répertoire. Et on ne va pas arrêter de chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose. Donc, si on recule un peu, on a commencé avec ça, et on a réduit notre scope à la petite case verte. Donc voilà, ça permet d'illustrer la manière dont on réduit le scope. C'était presque arbitraire. Il y a eu par le passé beaucoup de bugs dans ce répertoire runtime, mais ça a été bien nettoyé les années passées. Mais c'est quand même ce qu'on a choisi. Donc, en ayant passé plusieurs années à faire des allers-retours entre l'attaque et la défense, j'ai reconnu un truc. Les mauvais composants, c'est souvent long avant qu'ils s'améliorent. Donc, pour sortir d'un bac à sable, on regarde un peu pendant la phase de reconnaissance qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, on a choisi de regarder Windows Server. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un service système macOS qui tourne en route. Et on a trouvé 12 bugs de sécurité qui l'impliquent, qui ont déjà été reportés par le passé. Et ce composant est accessible à la sandbox de Safari. Et en particulier, on regarde le site web de ZDI. On peut regarder dans leur rapport. Et en particulier en 2016, il y a eu 10 vulnérabilités qui l'ont été remontées, qui utilisaient une sortie de bac à sable pour une escalation de privilèges. Et ça, c'est juste celles qui ont été remontées à ZDI en 2016. En 2017, il y en a eu 4, utilisées pour le même but. Et je pense que toutes celles-là ont été toutes utilisées à Pointwom. En 2018, il n'y en a eu plus qu'une. Et donc, vous pouvez voir qu'en 3 ans où les gens tapent sur le même composant, tous les chercheurs tapent au même endroit, et ils cherchent des bugs, et voilà. Donc c'est intéressant. Ça met un peu de perspective. C'est vraiment difficile d'améliorer rapidement des mauvais composants. Il n'y a vraiment personne qui a envie de s'asseoir et de réécrire du mauvais code. Et les fournisseurs de logiciels ont très peur de régression quand ils mettent une mise à jour. Ils vont réécrire uniquement s'ils ont vraiment besoin. Donc, en l'occurrence, quand on leur remonte une vulnérabilité. Du coup, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de raisons pour le fait qu'on ait des composants avec des très mauvais niveaux de sécurité. Du coup, si vous voyez une cascade de bugs dans un composant, c'est probablement une bonne idée de continuer à regarder, parce qu'il y en a probablement d'autres pour les années à venir. Étape 3. Donc après avoir cherché, on peut enfin aller explorer en profondeur le code de notre choix. Donc c'est la chasse aux bugs. Bon, en tant que chercheur individuel de petite organisation, le plus difficile dans ce processus, c'est de découvrir ce qu'est une vulnérabilité. Donc ça peut varier en fonction des personnes, mais on n'a pas 100 millions de dollars à dépenser sur des fuzzers, par exemple. On a juste un MacBook. Et du coup, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, on a de l'expérience aussi dans le processus d'exploitation en tant que tel. Donc, il y a deux stratégies pour trouver des vulnérabilités, avec des avantages et des inconvénients aux deux. Et j'ai pas envie de passer trop de temps sur les avantages et les inconvénients. Donc, tout est listé ici. Pour summariser, le fuzzing, c'est souvent la manière par défaut, parce que ça passe à l'échelle, et on trouve presque souvent des résultats. Donc, vous verrez plus tard qu'on a fait du fuzzing sur les deux bugs qu'on a utilisés dans notre chaîne. Et en 2018, on peut encore trouver ça de manière assez triviale. L'autre stratégie, c'est la revue de code. C'est souvent beaucoup plus difficile, mais ça peut produire des bugs de haute qualité quand c'est bien fait. Donc si vous voulez juste vous y mettre, commandez simple, commencez avec le fuzzing et voyez où ça vous amène.
Donc, dans ce talk, on va se concentrer sur le fuzzing. Donc ça, c'est le dashboard d'un outil de fuzzing scalable qu'on a construit pour ce moteur JavaScript. Donc c'est un fuzzer de grammaire JavaScript basé sur l'outil Dharma de Mozilla. On a commencé à l'écrire qu'à partir du moment où on a trouvé les vulnérabilités qu'on voulait cibler. Donc ça vous montre un peu la simplicité pour arriver où on en est arrivé. Quelque chose qu'il est important de dire aux gens qui font du fuzzing, c'est que le fuzzing doit vraiment être traité comme une science sur ce genre de cible. Donc, c'est vraiment nécessaire que vous quantifiez votre fuzzing et sa couverture. Faites pas ça en aveugle, s'il vous plaît. Donc, toutes les 15 minutes, on a une mise à jour du pourcentage de code couvert par le fuzzer. Un bon objectif, c'est 60% de couverture. Donc, c'est mis à jour toutes les 15 minutes. Et là, c'est vraiment, on s'est vraiment concentré sur le dossier runtime. Et on a observé, sur de nombreuses cibles plus ou moins exotiques, que la plupart des bugs, il faut vraiment les secouer dans les derniers pourcents difficiles à atteindre. Donc, ça veut dire que quand vous essayez d'améliorer votre couverture, de générer des bons jeux de test, vous allez atteindre ces 60%. Et regardez, qu'est-ce qui manque toujours dans la couverture? Et c'est là où vous vous mettez à chercher encore plus profond et vous vous mettez à trouver beaucoup de bugs. Donc par exemple, on se dit, pourquoi est-ce que ces boîtes grises sont encore là? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais exécuté ce code dans les millions de jeux de test qu'on a fait? Et on va se rendre compte qu'il y a un cas limite un peu bizarre et on va modifier nos jeux de test pour aller exercer ce code. Et donc des fois, on s'installe, on pose le projecteur et on discute, mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans la chasse aux bugs pour Pwn2Home. Et par-delà le fait que ce soit un peu cliché, ces mecs comme ça dans une salle sombre, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est comme du rubber gucking entre collègues, où on échange des idées, on confirme ou on infirme des théories. Ce qui nous amène à un autre conseil. Donc, ça s'applique à la fois au debugging et à la gestion des cas limites. S'il arrive que vous ayez des doutes sur le code que vous lisiez, vous devriez vraiment vous mettre à utiliser des debuggers et de l'analyse dynamique. Ça peut avoir l'air compliqué et pénible de configurer ce debug. On se retrouve avec des énormes piles d'appels. Vous rendez pas compte du niveau de contexte nécessaire pour découvrir ce genre de bug. Donc il faut vraiment le faire. Donc par exemple, là on a beaucoup utilisé RR pour trouver la cause initiale de la vulnérabilité qu'on a exploitée. Donc il y a une race condition dans le garbage collector. Il y a vraiment peu de personnes qui auraient pu repérer ce bug en revue de code. Ça nécessite énormément de connaissances pour reconnaître que c'est une vulnérabilité. On l'a trouvé par le fuzzing et on a utilisé le projet RR de Mozilla qui est merveilleux pour faire du voyage temporel dans le debugging, retourner en arrière. Donc ça c'est un exemple d'une pile d'appel. Donc ne serait-ce qu'utiliser un debugger pour dumper la pile d'appel de la fonction que vous auditez, ça vous permet d'obtenir énormément d'informations sur les données manipulées, de quel endroit c'est appelé, etc. Donc ça, c'est une backtrace de GDB de 40 ou 50 niveaux de profondeur. Très bien. Donc quelque chose que les novices ont souvent à l'esprit et qui est faux, c'est que le nouveau code est toujours meilleur et que
il est toujours écrit par des gens vigilants, et c'est faux. Et j'observe ça année après année, du code de plein de producteurs. Et Yvan de GPZ a fait, du Project Zero, a fait ce blog post génial. Donc, il y a un an, il a fait du fuzzing sur WebKit. Et il a trouvé pas mal de vulnérabilités. Il les a trouvées, il les a remontées, puis il a open sourcé son fuzzer. Et cette année, il a relancé son fuzzer, juste pour voir. Et il en a trouvé encore plus de 8, donc des use after free. Donc ce qui est sympa, c'est que quand on regarde dans ces colonnes en rouge, c'est que la plupart des bugs ont été introduits dans les derniers 6 mois, où ce sont des régressions. Donc il y a souvent de nouvelles vulnérabilités qui sont introduites dans le code. Donc la plus grosse raison pour laquelle on considère du code récent comme dangereux, c'est qu'il n'a pas passé des années sur le marché, il n'a pas eu le temps de gagner en maturité, il n'a pas été testé aussi bien que le reste du code. Donc à chaque fois qu'un développeur pousse du code en stable, et qu'on a 1 million d'utilisateurs qui comptent sur ce code, disons pour Chrome, mettons qu'il y a 1 million d'utilisateurs qui utilisent Chrome, bah ils se retrouvent à faire du fuzzing sur Chrome et ils vont manifester des conditions bizarres qui ne sont pas dans vos jeux de test, qui vont avoir des effets plus ou moins intéressants. Et deuxième point, ça arrive souvent que le nouveau code brise des assumptions implicites qui sont faites à d'autres endroits du code. Donc, mettons que le nouveau développeur écrive du nouveau code qui casse un paradigme qu'avait le développeur précédent du code. Donc peut-être qu'il ne comprend pas aussi bien que le précédent, ou peut-être qu'il a juste fait une erreur, et c'est quelque chose qui arrive assez très souvent. Donc, un autre conseil, ça devrait être vraiment évident. Donc il y a beaucoup de gens qui essayent de taper, de faire rentrer des données et qui font ça, qui sautent un peu dans le code sans vraiment savoir. Donc ce qu'il faut faire, c'est identifier les sources de données et vraiment suivre qu'est-ce qui parse la donnée, qu'est-ce qui écrit, qu'est-ce qui lit, qu'est-ce qui la manipule. Donc faites ça simplement. Donc dans nos sorties de bac à sable, dans Windows Server, on a découvert qu'on avait toutes ces fonctions. Et on a lu ce blog, on a fait ce blog post. Il y a toutes ces fonctions qui permettent d'envoyer des données dans Windows Server. Donc il y en a à peu près 600. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes préfixées par underscore underscore x. Et donc, ces 600 points d'entrée vont parser la donnée qu'on leur donne en entrée. Donc si on fait un petit diagramme, il y a cet échange de données, ce tube de données, entre le bac à sable de Safari vers le composant Windows Server. Donc on s'est dit, essayons de nous mettre au milieu de ce pipe et de regarder ce qui passe. Donc on a utilisé l'outil open source Frida, qui est sur GitHub. On a mis ça au milieu, et ça nous a permis de vraiment voir le flow de tous les messages qui passent, qui sont envoyés au Windows Server de macOS, depuis à peu près toutes les applications de macOS qui parlent à ce serveur qui est responsable à dessiner toutes les fenêtres sur le bureau. C'est un peu comme Explorer.exe sur Windows. Donc, on voit toutes ces données qui passent, on voit tous ces messages assez fous. Tous ces formats de messages uniques, tous ces tampons de données qui sont utilisés, et ça ne demande qu'à être fuzzé. Donc on s'est dit, ok, allons fuzzer. Je me souviens avoir pensé, peut-être qu'on peut implémenter AFL, ou peut-être qu'on peut utiliser RadAMSA pour tester les buffers, ou si on se mettait à inverser des bits au hasard, et on s'est mis à inverser des bits au hasard. Et Avar a fait un tweet à propos il y a quelques semaines sur cette expérience. Il a dit, en regardant à ma carrière de recherche de vulnérabilité et de sécurité, mes plus grosses erreurs ont toujours essayé d'être trop malin.
Le succès se cache derrière la question, quelle est la chose la plus bête qui pourrait potentiellement fonctionner? Donc, c'est notre farm de fuzzing, donc un seul MacBook Pro. Donc, je ne sais pas si ça a marqué. J'en affiche juste quelques secondes. Je pose littéralement juste mon portefeuille sur la touche Enter. Et on peut voir cette boîte qui s'affiche et notre fuzzer fonctionne et interverti des octets dans le Windows Server. On peut voir que l'écran change de couleur, que ça commence à déconner, ça change les messages. Et cette boîte est censée vous afficher un indice de mot de passe, mais en maintenant la touche Enter enfoncée, tout ce trafic qui est généré en direction du Windows Server, voilà. Et le fait est qu'à chaque fois qu'on fait crasher le Windows Server, ça nous ramène à l'écran de login. Donc, dans les faits, on a du fuzzing juste en posant quelque chose sur la touche Enter. Donc, on a appelé cette image avec humour Advanced Persistent Threat sur notre blog. Donc, c'est un crash qu'on a eu en faisant du fuzzing. Dans les premières 24 heures de fuzzing, on a trouvé une tonne de crash. On n'a même pas tout exploré. Il y en a probablement encore quelques-uns sur nos étagères. Mais à chaque fois que vous voyez ce truc en rouge qui dit EXC Bad Access avec une adresse, c'est vraiment mauvais. C'est le bug qu'on a fini par utiliser pour sortir du bac à sable à Pontoise. Donc si vous voulez lire, c'est sur le blog. Donc il y en a qui ont peut-être vu dans le comics d'InfoSec sur tous ces gens qui essaient de faire des trucs vraiment très malins et cool. Et il y a des personnes qui se retrouvent coincées à essayer d'injecter tellement de samples de science qu'ils oublient les pommes en bas du pommier. Donc, avec notre petit fuzzer tout simple, on a trouvé le bug assez rapidement. Donc, encore une fausse idée. Seulement des experts en recherche avec des bons outils peuvent trouver des bugs. Donc, ça peut être des outils sponsorisés par l'État, des outils magiques, des outils de l'État de l'art. Tout ça, c'est pas faux. N'importe quel outil peut faire l'affaire. Donc, notre observation, n'importe quel bug que vous trouvez rapidement peut aussi être facilement trouvé par d'autres personnes. Donc, ce que ça signifie, c'est que peu après qu'on ait fait notre post de blog, on s'est rendu compte qu'un des autres compétiteurs avait aussi des problèmes pour exploiter ce problème. C'est un bug difficile à exploiter. Donc, c'était une situation assez étrange et après coup, on en a discuté sur Twitter avec un gars qui fera un talk demain sur les IPC de Chrome. Donc, on discute sur Twitter et Ned a commencé et il y a aussi Niklas. Et Niklas dit, bon, il y a au moins 3 personnes qui ont trouvé ce bug de manière indépendante. Donc, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ce bug et on était tous à Pontoise. Donc, imaginez combien de personnes ont trouvé ces bugs et combien de personnes ont pu essayer de transformer ce bug en exploit. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. C'est assez difficile à dire. Et le bug est compliqué. Donc, le problème, il y a d'autres chercheurs qui étaient au courant de ce bug. Bon. Donc, si vous avez trouvé un bug rapidement, en particulier avec le fuzzing, on peut carrément garantir que quelqu'un d'autre l'a déjà trouvé. Donc, pour la section suivante, je laisse la parole à Amy, qui va continuer. Donc, on vient de parler des techniques et des attentes à avoir quand vous cherchez le bug. Maintenant, je vais vous parler de à quoi vous attendre quand vous essayez d'exploiter les bugs que vous avez trouvés. Donc, c'est l'étape du développement de l'exploit. Donc, très bien, vous avez fait la partie difficile, vous avez trouvé un bug. Donc, c'est peut-être dans un navigateur, c'est peut-être dans un serveur de fenêtre ou dans le noyau. Peu importe. Mais la question, c'est comment faire le reste?
comment est-ce que vous partez de la vulnérabilité à l'exécution de la calculatrice? Le système d'exploitation a un niveau de complexité tellement élevé que juste comprendre assez pour savoir comment fonctionne votre bug, c'est pas potentiellement suffisant pour comprendre comment faire un exploit. Donc, avant de parler de votre bug, reculons et posons la question un peu différemment. Donc, comment est-ce qu'en général on s'y prend pour écrire un exploit? J'ai l'impression que beaucoup de personnes s'imaginent que quand on compare avec ce qu'on fait dans un CTF, c'est dans une autre catégorie. Si par exemple on vous donne un challenge dans un CTF d'exploit dans un browser, ça peut vous sembler être quelque chose d'impossible à faire si vous n'avez jamais fait ça avant. Donc, comment faire pour changer cette préconception? Ça peut sembler cliché, mais selon moi, la meilleure manière, c'est l'exercice. Comment est-ce qu'on devient bon? C'est par l'exercice. Et ça peut sembler cliché, mais c'est vraiment très valable comme conseil. Et donc, comment on fait? Donc, consommer tout ce qu'on peut sur la cible, tout lire, tout télécharger, essayer de lire, même si vous ne comprenez pas tout, parce que vous pourrez apprendre un truc, et ça fait pas mal d'apprendre. Et essayez de comprendre au moins le plus possible. Ça ne va pas être facile, c'est des systèmes vraiment compliqués qu'on attaque. Et c'est beaucoup de travail de comprendre ces choses-là. Mais de plus en plus vous faites d'exploits, de plus en plus vous verrez comment le chemin à faire pour exploiter. Donc j'ai fait la partie navigateur de notre chaîne d'exploits. J'ai fait beaucoup d'exploits dans les navigateurs par le passé. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a souvent une structure extrêmement similaire et des techniques similaires, des primitives assez similaires qui sont utilisées pour construire l'exploit. Et c'est une observation pour illustrer ça. Donc voilà un exemple. Donc à Poundworm, on a eu cet été Samuel Gross de Phoenix, qui est probablement ici. Donc sa cible, c'était aussi Safari. Mais son bug, c'était dans le compilateur juste à temps qui convertit le JavaScript en code machine. Donc notre bug n'était pas du tout là, il était dans le garbage collector. Donc c'est des bugs différents. Mais le bug qu'il avait, il était très fiable, il était très propre. Je vous recommande d'aller regarder en ligne, il y a une très bonne ressource. Puis quelques mois après, à Poundworm Mobile, un autre événement, on a Forrester Kies, une équipe formidable qui a réussi à pôner à peu près tout ce qu'ils ont eu sous les mains, dont un iPhone. Donc les iPhones, ça utilise Safari, donc ils avaient besoin d'un bug Safari. Et le bug qu'ils avaient était très similaire en structure au bug précédent de l'année, en tout cas en ce qui concerne la manière dont ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc maintenant, vous pouvez exploiter ces deux bugs avec du code d'exploit très similaire, pratiquement de la même manière. Il y a quelques astuces, parce que Apple a rajouté quelque chose depuis là, mais le chemin entre la découverte du bug et l'exécution de code était très similaire. Et encore quelques mois après, il y a eu un CTF qui s'appelait le Real World CTF en Chine. Et comme le titre le suggère, ils avaient des challenges réalistes, dont Safari. Et bien sûr, mon équipe était là. Et au milieu de la nuit, ils m'ont dit d'aller m'y coller. J'ai dit ok, je vais regarder. Et c'était un bug de Just in Time. Et j'avais jamais regardé au moteur de JIT de Safari avant. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience préalable à faire ça, mais vu que j'ai passé le temps à lire tous les exploits publics, donc j'ai lu les exploits de tous les autres compétiteurs Poundworm, toutes les autres choses que les personnes ont fait sortir, toutes les CVE, j'avais vu un bug extrêmement similaire par le passé et je savais comment l'exploiter. Du coup, j'étais capable de rapidement construire le chemin entre le bug et l'exécution de code, et j'étais le premier
remporté le challenge et c'était vraiment, vraiment cool. So what does this actually mean? Well, I think not every bug is going to be. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est tous les bugs sont pas aussi faciles de transformer en exploit, mais c'est extrêmement valable d'avoir de la connaissance sur les exploits passés si vous essayez de développer des nouveaux. Donc, le JS vulndb par exemple. C'est un dépôt de bugs JavaScript et d'exploits. Donc, si vous faites l'effort d'aller fouiner un peu là-dedans, vous aurez une bonne compréhension du type de bugs qu'on trouve assez régulièrement de nos jours et comment les exploiter. Mais il n'y a pas tellement de bugs publiés qui sont des exploits fonctionnels. Il n'y en a que quelques-uns par an. Donc, une fois que vous avez lu tout ça, qu'est-ce que vous faites si vous voulez en savoir plus? Vous pouvez potentiellement essayer d'exploiter d'autres bugs par vous-même. Par exemple, j'aime bien Chrome, parce qu'ils ont une jolie liste de toutes les vulnérabilités qu'ils mettent à jour à chaque fois qu'ils font une mise à jour. Donc, on peut vraiment aller voir qu'est-ce qui n'allait pas dans le tracker de bugs. Donc, regardez là, par exemple, tout en haut, une écriture hors limite dans le moteur V8. Donc, si vous cliquez, vous pouvez voir qu'est-ce qu'était le bug et vous pouvez essayer d'écrire un exploit. Et à la fin, vous aurez une idée bien meilleure sur comment faire pour exploiter un bug vu que vous l'aurez fait par vous-même. Donc c'est l'opportunité d'appliquer ce que vous avez appris. Donc la question c'est, ouais, j'ai plein d'autres choses à faire, j'ai un job à 100%, je suis à l'école. Est-ce que les CTF ça suffit? Bonne question. La question, c'est à quel point les CTF peuvent vous aider dans ce genre d'exploit. Je pense pas que ce soit le même mindset, parce qu'il faut un mindset très adversarial. La plupart du temps, ces challenges ne sont pas représentatifs de l'exploitation de vrais logiciels. Donc, on a un tweet il y a quelques jours, ouais, sur la libc. Des challenges dans la libc. C'est souvent des choses très artificielles, qui n'ont pas beaucoup de valeur dans le monde réel, parce qu'ils sont extrêmement spécifiques. Donc il y a des gens qui connaissent ces challenges spécifiques qu'on voit souvent dans les CTF, mais je pense pas que ce soit très valable. Il y a des CTF, récemment et par le passé, qui ont eu des challenges vraiment réalistes. Donc, au moment où je parle, il y a le CTF du 35C3, avec trois exploits de browser, il y a un challenge sur VirtualBox. C'est fou de voir les gens qui arrivent à résoudre ces challenges en si peu de temps. Donc c'est définitivement quelque chose dans lequel vous pouvez jeter un coup d'œil. Même si c'est pas ce qui va... Ça va pas tout faire, mais ça peut avoir le coup. Donc, ces CTF sont bien pour les gens qui ont envie de se mettre à du vrai travail de développement d'exploits. Mais ça peut faire peur aux nouveaux, parce que tout à coup, c'est votre premier CTF et on vous demande de faire un exploit sur Chrome, mais vous êtes là, non mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on a trouvé un bug et on a de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait de la chance, parce que même si on a plein d'expérience, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut écrire l'exploit pour le bug. Donc, un exploit JavaScript, c'était assez beau, on savait à peu près comment faire depuis le départ, mais notre exploit dans le bac à sable, ça ne rentrait pas dans une jolie boîte d'exploits précédents qu'on avait vus. Donc ça a pris beaucoup d'efforts. Donc, c'est le bug qu'on a exploité pour le bac à sable. C'est un bug assez simple. C'est un problème avec un integer, donc on a la variable index qui est signée, qui peut être négative. Donc normalement c'est positif, mais si on lui donne moins 3, ça peut sortir de la zone mémoire et corrompre la mémoire. Donc c'est un bug vraiment simple, c'est pas un truc complexe comme on a pu voir par le passé. Mais est-ce que ça veut dire que l'exploit est simple? Pour autant, regardons. Donc c'est beaucoup de code, hein. Donc, notre exploit pour ce bug a fini par faire quasiment 13 000 lignes. Donc, c'est un peu fou. Et vous vous demandez probablement comment on en arrive là. Et je vais dire juste un truc.
Soyez conscient que, bien que vous ayez trouvé un bug qui soit simple, ça ne veut pas dire que ce soit simple de le transformer en exploit, ça peut prendre beaucoup d'efforts. Mais soyez pas découragé si ça vous arrive. Ça veut juste dire que c'est l'heure d'aller dans les montagnes russes du développement d'exploits. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans ce processus. Et on doit monter dans la montagne russe et avec l'espoir qu'un jour, peut-être, on ait notre exploit qui marche. Donc, je vais commencer par dire qu'on a trouvé le bug. On a eu des idées assez bonnes. On avait déjà vu un bug exploité comme ça par Keane et on avait lu leur white paper. Et ils ont eu une bonne idée. Donc on s'est dit, ouais, ça va marcher. Faut juste vérifier que ce bit ne soit pas défini. Et on a vu des valeurs un peu bizarres et on s'est dit, oh, des fois il n'est pas 7. Mais on s'est rendu compte que ce bit était toujours à 1. Et donc merci Apple. Donc peut-être qu'on peut contourner ce problème, trouver un moyen de remettre ce bit à 0. Et oui, on peut le détruire, ça va refonctionner, ça va être cool. Et non, on s'est réalisé que ça cassait le reste de l'exploit. Donc ces allers-retours, ces hauts et ces bas. Vous savez, des fois, quand vous résolvez un problème, vous croyez que vous avez ce qu'il vous faut, et puis vous rendez compte qu'il y a un autre problème qui apparaît. Donc, c'est vraiment une progression incrémentale pour enlever tous les problèmes et obtenir quelque chose qui finit par fonctionner. Et donc, tout ça s'est passé en 60 minutes une nuit. Donc, moi, j'étais à bout de souffle, j'étais là, tu te fous de ma gueule ? Il y a deux bugs qui nous sont tombés dessus, qui ont rendu le bug initial plus difficile à trouver. Et c'était une expérience vraiment horrible. Mais je recommanderais quand même. Donc ces montagnes russes s'appliquent en fait à tout le processus, et pas juste à la phase du développement de l'exploit. Parce que vous avez ça quand vous trouvez des crashs qui ne créent pas de vulnérabilité, ou des crashs qui ne sont pas exploitables, ou des exploits qui ne sont pas fiables. Et il faut vraiment pousser jusqu'à ce que, par chance, vous arriviez jusqu'au bout et que vous ayez un bel exploit qui fonctionne. Donc, ok, on va dire qu'on a écrit notre exploit. C'est peut-être pas très très fiable, mais ça fonctionne. J'arrive de temps en temps à exécuter du code. Donc maintenant, on va parler de la charge utile. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ce que vous voulez que votre exploit fasse. Ça peut être ouvrir la calculatrice, ça peut être lancer l'exploit de sortie de bac à sable, ça peut être nettoyer le système après la fin de l'exploit. Ça veut dire, en fait, réparer le programme que vous exploitez. Donc dans les CTF, c'est pas quelque chose qu'on fait. En général, on fait juste un cat sur le flag et on s'en fout si le programme crash complètement parce qu'on a notre flag. Donc dans ce cas-là, on a le flag, ça a cassé le programme, mais on s'en fiche. Dans le monde réel, par contre, c'est un peu plus important. Donc qu'est-ce qui se passerait si votre exploit ne nettoyait pas ? Donc ça crash le browser, on retourne à l'écran de login. C'est pas très propre. Si vous êtes à une conférence du style Point to Home, je pense qu'ils ne vont pas vous aimer si vous faites un truc du genre. Donc, c'est important d'essayer de retourner et de réparer tout ce que vous avez pu casser dans le système quand vous finissez. Donc, quand vous exécutez votre charge utile, vous allez souvent voir qu'une fois que vous arrivez à l'exécution du code, Vous voyez un int 3, une interruption 3, donc qui dit au programme de stopper, par exemple. Donc, vous avez réécrit, vous avez votre exécution de code. Et la question c'est, on ne veut pas mettre de l'assembleur directement, et la question c'est comment est-ce qu'on veut faire pour avoir notre charge utile, la mettre dans le système, un endroit où la bac à sable va nous laisser le mettre, puis le recharger comme bibliothèque, et enfin l'exécuter et faire bomber le système. Donc vous avez assemblé, vous avez tout, vous avez presque terminé, vous avez votre calculatrice, donc ça c'est notre sortie de bac à sable qui affiche la calculatrice, mais on n'a
pas totalement terminé. Il faut faire encore un peu plus. C'est la fiabilité de l'exploit. On doit s'assurer que l'exploit soit aussi fiable que possible, parce que si ça fonctionne qu'une fois sur 100, c'est pas très très bon. Pour Pwn2Own, on a fini par développer un jeu de... une moulinette qui nous permet de lancer plein de fois l'exploit et de vérifier à quelle fréquence il a fonctionné ou cassé. Et ça nous permet d'obtenir d'autres informations sur pendant combien de temps il a tourné. Et ça a rendu beaucoup plus facile le travail itératif et la correction des problèmes qu'on a rencontrés, et donc améliorer la qualité de l'exploit. Donc, on s'est rendu compte que la plupart des problèmes venaient du Hipgroom. Donc, c'est l'endroit où on essayait d'aligner la mémoire d'une manière avantageuse. On ne pouvait pas faire grand-chose à cet endroit-là. Un autre truc, c'est tester sur plusieurs appareils. Donc, notre exploit JavaScript, c'est une race condition. Donc, le nombre de cœurs dans le CPU, le nombre de CPU, etc., ça a de l'importance quand vous exécutez votre exploit. Donc, vous voulez aussi potentiellement tester sur différentes versions du système d'exploitation, parce que même si toutes sont vulnérables, il y a peut-être des petits détails qui changent et vous devez peut-être vous adapter pour que ça fonctionne de manière fiable sur toutes les versions. On a voulu tester sur les versions bêta de macOS, en plus que la version actuellement en production, pour éviter qu'Apple pousse une mise à jour, enfin que s'il pousse une mise à jour jusqu'à avant la compétition, ça fonctionne toujours. Donc, quand on a des adresses qui sont spécifiques au système d'exploitation, il nous suffit de changer ces variables dans le code. Et pour certains browsers, ça peut aussi valoir le coup de les tester sur des mobiles, même si ce n'est pas votre cible initiale, parce que dans pas mal de cas, le bug initial va aussi fonctionner, s'appliquer sur le téléphone, et ça peut être une cible subsidiaire à laquelle vous ne pensiez pas au départ. Donc en général, essayez de lancer votre exploit sur le plus de choses possible, et ça va vous permettre d'augmenter votre fiabilité. Ok, dernière section. Donc j'aimerais pouvoir passer plus de temps sur cette section, mais je pense que c'est une discussion assez importante à avoir. Donc notre dernière étape du guide pour l'homme de la rue, c'est les responsabilités. Donc c'est critique. Vous avez écouté notre présentation, vous nous avez vu faire sortir la clé squelette pour ce genre de choses. On peut créer des erreurs dans les serveurs des gens, les browsers, les machines des gens, des problèmes de vie privée, on peut faire du mal aux gens, au système d'information des entreprises, des pays, etc. Donc il faut faire très attention avec ça. Chaque personne dans cette salle, si vous devez prendre un conseil, donc soyez conscient de ce dans quoi vous rentrez et de l'effet que ça peut avoir sur les gens. Donc quelque chose de lié, un petit rappel. En 2016, je m'en souviens, j'étais au travail et il y a ce gros déni de service. En tout cas, aux États-Unis, ça a fait tomber Twitter, Amazon, Netflix, Etsy, GitHub et Spotify. Je m'en souviens. Internet s'est mis à ramer dans tous les États-Unis. C'est la carte des ruptures de charge d'Internet. Et c'était horrible à voir. Et je me souviens, les gens rebondissaient, faisaient des références. Et qui c'était ? Est-ce que c'était un acteur étatique, toutes les discussions sur Twitter, une attaque sophistiquée et nouvelle. Bruce a suggéré que c'était la Chine ou la Russie, enfin, un État, nation. Et il y a ce blog post, quelqu'un est en train d'apprendre à comment faire tomber Internet. Et puis, quelques semaines après, on s'est rendu compte que c'était juste le botnet Mirai, et donc des petits jeunes qui essayaient de faire des dénis de service sur des serveurs Minecraft. Donc, ça fait peur. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes et leurs talents. Les gens doivent vraiment avoir conscience en les dommages qui peuvent être causés par ces choses. Donc Mirai, ils n'utilisaient pas vraiment des zero day, mais maintenant ils s'y sont mis. Mais à l'époque, ils utilisaient juste un botnet IoT.
Et ça a fait beaucoup de dégâts. Et c'est difficile de reconnaître le pouvoir d'une Zero Day jusqu'à ce que vous en ayez une en main. Et donc, c'est la dernière étape. Quand vous avez réussi, quand vous arrivez à la fin du guide, vous réalisez la puissance de ce que vous avez entre les mains. Et s'il vous plaît, soyez très prudent. Donc, c'est tout ce qu'on a, c'est la conclusion. Donc voilà le sommaire. Si vous avez des questions, on va les prendre. Sinon, si vous n'avez pas de temps, vous pouvez nous attraper. Et on a des stickers aussi. Wow. Super talk, merci beaucoup. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour les questions. Si quelqu'un est très rapide, il peut venir vers le micro à l'avant et on va gérer une question. Mais sinon, vous serez où, les gars, après le talk? On sera disponible. Et on a aussi des stickers. À quel endroit? Donc à l'arrière de la salle, parce qu'il y a un nouveau talk dans quelques instants. Donc pas de questions. Donc un tonnerre d'applaudissements.